spend the winter all alone, yeah. Cause I don't please fall, I don't please fall. Yeah, yeah. See, had to ask a question if you happy, girl. I'll change your mind anytime in this happy world. Let's go and kick it, you and me, and see what love unfurls. Cause girl, I bet you love some tugging on them lovely curls. Hold up, a week up after that, believe we started dating. My heart was racing, but never felt my time was wasting. My mind was chasing, ain't no debating. I'm feeling you, and trying to get together, figure out what to do. Even after some disasters, we were making it work. Coucou! Alors maintenant, zoom! Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous faire, vu que ça va être une journée avec moi en tant que stagiaire, puisque peut-être vous avez capté avec mes anciennes vidéos, mais là, je suis en stage. Je vous avoue, pour être totalement honnête, je fais cette intro une semaine plus tard parce que j'ai regardé mes plans pour monter. Puis bah, je me dis, bah, j'ai pas fait d'intro, j'ai pas fait d'outro. Je vous avais déjà montré un petit peu ce que je faisais dans une ancienne vidéo que je vous mets en petit i, grosso modo ce que je faisais en stage. Mais il faut savoir que je fais vraiment plein de trucs, il n'y a jamais une journée qui se ressemble et c'est ça qui est trop bien. Donc franchement, je vous emmener un petit peu pendant mes 4 mois de stage, des journées un peu lambda comme ça avec moi. Pour ceux qui se demandent, je suis digital producer junior chez 140 Studios. En fait, il y a une grosse agence qui s'appelle Ores. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Elle existe dans plusieurs pays, elle a implanté au Vietnam, au Canada, en Chine, etc. Et en fait, c'est une agence de publicité. Et ils ont transformé l'agence Ores en groupe, qui s'appelle donc Ores Group, et qui a plusieurs petites agences intérieures, dont Ores et dont 140 Studios, là où je travaille. C'est encore une agence de publicité, puisque nous, 140 Studios, on est basé sur le snack content. C'est quoi le snack content? Bah, c'est réel, TikTok, short, même les petites pubs YouTube, en fait, ça va être un contenu qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux en format assez court. Donc ça peut être très bien que ce soit du 16-9, du 9-16, du carré, etc. Mais c'est sur les réseaux sociaux, ça se consomme rapidement comme un snack. Et donc on est basé sur ça, les locaux sont à Lille. On est dans les locaux en fait d'Ores, donc c'est un peu la petite sœur d'Ores. J'adore ce que je fais, donc Digital Producer Junior, c'est quoi? C'est un très beau nom pour dire en gros chef de projet. Donc ouais, je suis chef de projet junior parce que bah je suis stagiaire, donc je n'ai pas les genres main responsabilité, on va dire. En fait, on a des campagnes avec des marques, on fait des stratégies, on fait du benchmark, on va voir les concurrents, on fait tout ce qui est organisation, le casting, si on doit appeler des maquilleurs, etc., des comédiens, des modèles pour les marques, on doit penser à quel contenu on va réaliser, quand, sur quelle plateforme, etc. On est toute une équipe. Donc, moi, je suis digital producer, mais on a aussi bah, des monteurs, des cadreurs, des étalonneurs, etc. dans l'équipe. Des contenus courts que vous pouvez visionner tous les jours en publicité, qui passent des fois même inaperçus, et pourtant, bah, on se rend compte qu'il y a énormément de travail derrière. Ce que vous allez voir, c'est j'étais en tournage pour une marque, donc j'ai environ un tournage par semaine. Là, j'ai le droit de vous dire, c'était pour la marque Zojo, vous connaissez sûrement Zojo. Un client, on travaille pour eux sur TikTok, si vous voulez voir leur TikTok, allez-y, vu que c'est nous qui avons... Peut-être vous allez voir une petite tête quelque part, on ne sait pas. Et là, on était en tournage pour eux, pour réaliser donc 5 TikTok. Je vous laisse visionner, mais ça nous a demandé du temps, il y a eu quelques galères, mais c'était très très cool. J'ai changé au moins 4 fois de tenue d'ailleurs dans cette vidéo, c'est un délire parce que quand on est mannequin, quand on est modèle, bah faut pas faire genre qu'on a pris tout le même jour, donc on a juste changé mes 1 million de fois de tenue. D'ailleurs, pour m'en profiter, tenue du jour, même si bon, c'est pas le même jour, c'est pas grave. Full black, comme d'hab, même s'il fait chaud, c'est un pantalon genre palazzo, genre un peu large, costume. Trop bien ce pantalon, ouais, jambes larges qui vient de chez Mango, je mettrai les liens en description. Mes chaussures sont Campus, des années 2000. Très tendance qu'on galère à trouver, mais c'est trop bien. En t-shirt, c'est un t-shirt qui vient de chez H&M, c'est un peu une matière en mode skim, un peu genre maillot de bain hyper moulant. Et en bijoux, c'est mes bijoux de chez Bruna de Label. Je ne vous présente plus la marque. Aujourd'hui, je travaille encore avec Bruna. Je suis trop contente de collaborer avec eux à chaque fois, vu que ça va bientôt faire un an d'ailleurs. J'adore leurs bijoux. Je n'ai vraiment quasiment que des bijoux de chez eux. Et vous devez le savoir, vu que je vous en parle dans quasiment toutes mes vidéos où je vous présente mes tenues et mes bijoux. Bruna, c'est une marque de bijoux de qualité, genre vraiment. Pour vous dire, les bijoux sont faits soit en or, soit en argent recyclé. On est sur de la qualité premium, sauf que les prix sont totalement justes et justifiés. Il n'y a pas de code promo, parce que bah... C'est-à-dire que le prix n'est pas justifié. En vrai, si vous baladez sur le site de Bruna, vous allez peut-être vous dire oui, mais les prix sont assez élevés, ce qui est vrai. C'est pas des bijoux de Camelot, clairement pas. C'est un budget, c'est des choses à s'offrir, soit pour des occasions, soit pour vous faire tout simplement un propre cadeau à vous-même, à vos proches, ou je ne sais pas. Mais au moins, on met le prix, mais la qualité là derrière. Et ce qui est rare aujourd'hui, c'est qu'en fait, leurs bijoux, ils sont faits à la main. Donc, ils sont faits dans des petits ateliers en Thaïlande. Mignon. Allez, ils ont sorti une nouvelle collection pour cet été. Donc, c'est des bijoux que je
porte. Ils ont des petits packagings comme ça. C'est bien, c'est que vous avez en même temps le petit pochon pour l'emmener partout. Deux bijoux, j'ai choisi ces boucles d'oreilles. Ce sont la nouvelle collection d'été. La collection d'été, elle inspire un petit peu du mode Côte d'Azur, vous voyez vraiment le truc. Mais je pense à l'été en France, je pense Côte d'Azur. Elles sont trop belles, vraiment, je ne fais que les porter depuis que je les ai reçues. Et en plus, elles sont assez imposantes, vous voyez, c'est des grosses boucles d'oreilles, mais elles sont pas lourdes, et ça c'est bien. J'ai aussi une bague, regardez juste mes ongles. Déjà, dites-vous, en 2 semaines, c'est la 3e fois que je fais mannequin main. Genre, je vous jure, nouvelle occasion, je vais faire mannequin main. Bref, sinon, cette nouvelle bague, très jolie. Moi, je prends que mes bijoux en or quasiment, parce que bah, je ne porte que ça. Ça, c'est mon collier. C'est pas de la nouvelle collection, genre, il est depuis hyper longtemps, mais je le porte tous les jours. C'est vraiment le collier, genre, je le porte tous les jours. J'adore. Dites-moi si vous connaissiez déjà Bruna, peut-être grâce à moi d'ailleurs, ou pas du tout, et si c'est une découverte pour vous. Je vous incite vraiment juste à checker au moins le site. Ils font des modèles hyper minimalistes. Donc, si vous aimez bien un peu le style de bijoux que je porte, quasiment tout vient de chez eux, donc je pense que ça vous plaira. Bah, je vous laisse tout checker en description, et puis bah moi je vous laisse avec les images de ma journée en tant que stagiaire, qui est ma foi plutôt très très intéressante. So say girl, why you kick it with them guys all dumb? If you ever got some worries, one with me all done. Change the picture that you paint until the paint all gone, cause I'm just falling for the artist like your name on some like. Wonder if you spent the winter all alone, yeah. Ok, on a une petite dernière fois et après on va faire ça. Vas-y. Et on va passer au petit spray. Fait les trucs d'Arthur. Ah, c'est vrai. C'est que du fake. Et après, tu feras. Moi, je trouve que ce truc. On met dedans. Deuxième plan focus, tu me vois faire le masque. Tu l'appliques, blablabla. Tu me vois nettoyer l'eau et tout. Alors, je vois, c'est focus produit. Je le prépare. De toute façon, on va décomposer. On va faire deux. Elle pose le savon, non? Ouais. Délicatement, mais tu montes la tâche, t'enlèves, tu poses le savon. Et nous, on le voit aussi. Comme ça? Tu peux poser avec ta main gauche. Je fais ça et je fais ça. Ouais, mais en laissant un peu. Enfin, fais les deux, aussi rapidement, et un où tu laisses un creux entre les deux. Là, c'était long, rapide. Là, c'était normal. Et là, je vais faire rapide. Vas-y. C'est fort, t'es une actrice. Là, on enlève le packaging. Là, on enlève le packaging, faut surtout mouiller le tissu. Est-ce que t'as un spray Petite pause midi, ce qui est bien, c'est que quand on est en shoot, tout est financé par l'agence, même les repas. Donc ouais, c'était une pause, pas trop, on a mangé très vite fait parce qu'on était en retard sur le planning. Savoir qu'on suit une feuille de route pour savoir quand on filme quel contenu, etc. Quand ça commence, quand on range, toutes les étapes. En tout cas de la journée shooting. Et ensuite on a filmé encore des TikTok. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai un mouchoir dans le nez parce que je saignais du nez, mais ça ne se voyait pas, heureusement. Je n'étais que mannequin main. C'est vraiment les backstage là pour le coup de la création de contenu. Mais c'est un DIY très très cool qui est déjà posté sur le compte TikTok, donc allez voir. Salut les petits loups. Et là je joue avec. Ouais. Ouais. Vous voulez pas faire de l'ASMR? Si, après. Après on va essayer de faire un peu d'ASMR. Est-ce que ça te rend heureuse? Ouais, je suis contente. Moi j'adore les activités manuelles. Fin de journée, on a terminé par un dernier TikTok qui se passait en extérieur. On a été au parc, c'était un TikTok pique-nique. Donc j'ai fait plusieurs loupés. Et en plus en extérieur, bah, tout le monde nous regarde parce que oui, on a une grosse caméra. Oui, on fait des activités un peu particulières. Mais c'était très très sympa. Et après, j'ai filé à Paris. Left to hold, yeah. Cause I don't please fall. I don't please fall. Bon les amis, je termine cette vidéo ici, on est toujours au même endroit, le même jour,
une semaine après. Mais j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu les backstage de ce qui se passe derrière une création de contenu, derrière des TikTok, etc. pour des marques. Hyper compliqué, on se rend compte, de faire du community management limite pour certaines marques, parce que oui, il n'y a pas que de la production, il y a vraiment de la stratégie derrière, etc. Donc c'est beaucoup de travail. Moi j'adore ce que je fais, comme je vous ai dit, mon métier là que je fais en tant que stagiaire, ça change hyper souvent, on a plein d'opportunités, on a plein de nouveaux sujets différents et tout. Et après j'ai juste couru, et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'intro pour prendre mon train sur Paris, j'ai passé le week-end à Paris, que voilà, je vous spoil, mais c'était très bien. D'ailleurs si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est passé pendant mon week-end à Paris, vous mettez un petit sur Instagram, parce que je poste tout sur Instagram, littéralement toute ma vie. Je suis hyper active dessus, d'ailleurs pour checker Bruna, leur site, leur nouvelle collection, etc. pour l'été. Ça ne vous coûte rien et au moins vous pourrez faire une belle découverte. Puis moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.